À bobsleigh, il n'y a pas 36 façons de gagner. Il faut pousser au départ. Je sais que j'ai affaire à des divas du stade, convaincus d'être les plus rapides, mais je demande à voir ce que ça donne quand vous poussez un bob de 300 kilos. Pour être respectable, le temps de départ doit être inférieur à 5 secondes 7. Si vous n'êtes pas capable de vous arracher en moins de 6 secondes, ce sera la faillite. Vous pourrez toujours ouvrir un salon de coiffure. Oh, hey, hey, hey. Allez, Doris, allez, allez. Mettez au départ en position. Oh. 14-3, c'est nul. 13-5, 11,7, c'est là que tout joue. C'est là que vous gagnez ou que vous perdez la course. La course du départ, c'est tout le bobsleigh. C'est ça que vous travaillez. Sans vous, sans des bobsleighettes, vous y arriverez. Non, Junior, n'arrête pas. Dépêche-toi, rattrapez, Junior. Non. Recommencez. Super, rien à dire, remettez ça. Je vous l'ai déjà dit, mais je crois qu'il n'est pas inutile de répéter. La résistance au froid, ça peut contribuer à assurer le succès d'une équipe. C'est assez froid. Un, deux, trois.